Bonjour les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est enfin le jour où on va espionner mon chien Chino. Rappelez-vous, il y a 5 mois, dans la vidéo présentation de ma maison, je vous avais présenté mon nouveau chien. Et à ce moment-là, c'était vraiment un petit chiot. Il était tout petit, tout minuscule, tout mignon. Bon, je vous présente Chino, les amis, la petite boule de poils. Dis aux abonnés de liker Chino, oui. Dis, vas-y. Like. Et au jour d'aujourd'hui, il a grandi. Et qui dit chien qui grandit, dit chien qui fait des bêtises. Donc c'est encore plus intéressant. En tout cas, vraiment, j'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo. Je suis très content aujourd'hui de vous la tourner. Ça va être trop stylé, on va espionner mon chien. En gros, pour vous expliquer un peu comment va fonctionner cette vidéo, j'ai pris toute la journée de hier pour l'espionner un maximum. J'ai placé des caméras partout, dans toute la maison, dans différentes chambres, dans le salon, dans la cuisine, etc. Et j'ai laissé tourner. J'ai laissé tourner pendant plusieurs heures, toute l'après-midi, pour observer mon chien, pour voir ce qu'il fait quand je suis pas là. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve le concept beaucoup trop stylé de savoir ce que fait ton chien quand, je sais pas, quand tu pars, quand tu prends ta voiture, quand tu pars toute une journée. Que fait ton chien chez toi? Parce que t'arrives, il est à la porte, il t'attend. Tu pars, il est à la porte, il te regarde partir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait pendant toutes ces heures où tu n'es pas là? Bien sûr, on va pas faire que ça, il y aura aussi des expériences, vous inquiétez pas. On va tester la confiance que j'ai avec mon chien. Bon, les amis, avant de regarder les images de hier, il y a vraiment énormément de rush. On va pouvoir observer un peu ce qu'il a fait dans toutes les chambres, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans toute la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Mais avant tout ça, je vais d'abord vous le montrer. Parce qu'il a grandi, il a super grandi. La dernière fois que vous l'avez vu, il était tout petit, maintenant il est énorme. Et juste avant que j'appelle mon chien, d'ailleurs je sais pas où il est, vous inquiétez pas, j'ai une technique pour l'appeler. Juste avant les gars, likez. Vraiment, c'est super important. La vidéo de la maison, vous avez extrêmement liké, vous avez dépassé les 80 000 likes. La vidéo de la voiture aussi, vous avez liké à mort. Cette fois-ci les amis, je vois que vous appréciez énormément les vlogs et les vidéos un peu expérience comme ça dans ma maison. Likez et je vais continuer tout simplement à vous faire plein de concepts comme ça. Donc je compte sur vous les gars. Bon, où est-ce qu'il est mon petit chien Chino là? Il est où? Alors, regardez bien, hein. Il va arriver dans moins de 5 secondes, c'est sûr. Attention. Oui, il est là le petit chien. Oui. Chino, ça va? C'est un truc de ouf. Regardez comment il a grandi. Assis. Voilà, c'est bien, t'es beau. Like la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo. Il est magnifique ce chien, c'est bien. Oh. Calme-toi. T'es trop beau, toi, t'as grandi, hein. Oh là là, t'es devenu un gros nounours. Aujourd'hui, on va t'espionner. On va regarder les bêtises que tu fais. T'es trop mignon, mais c'est sûr que tu fais pas de bêtises, toi. Eh bien, on va vérifier ça. On va voir si vraiment t'es le chien que tu prétends être. Est-ce que t'es celui que tu es? Ou est-ce que quand on part, tu fais des dingueries dans la maison? Hein? T'es qui, en vérité? Qui tu es? Dis-moi la vérité, qui tu es? Il est trop mignon, il est vraiment trop mignon. Ah oui les amis, j'en profite, j'ai oublié, n'oubliez pas, super important, comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos, de mettre le code COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. Ça vous prend quelques secondes et moi ça me soutient énormément. Et rappelez-vous aussi, je vous offre tous les jours des cadeaux, des skins, pour vous remercier, pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent tout simplement sur Fortnite. Donc n'oubliez pas les amis, très important, COCO, K-O-C-O. Oh! Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer votre pseudo Fortnite, de préférence sur Instagram. Mon Instagram est dans la description et il s'affiche aussi à l'écran. Bon les amis, c'est bon, j'ai les rushs, j'ai envoyé tous les rushs à quelqu'un, il m'a fait une petite compilation, moi j'ai pas encore vu. On va découvrir tout ça les amis en direct, j'ai vraiment hâte, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'espère juste que mon chien va pas trop me décevoir quoi. Ouais c'est parti, je lance la vidéo, let's go! Ok, déjà il a remarqué la caméra un peu. Attends, je me pose, hein, je vous explique. J'ai placé les caméras à des endroits où je sais que mon chien va. Ou des endroits où j'ai le doute. Parce que des fois je suis pas là, j'ai un peu le doute qu'il va vers là-bas ou qu'il va là-bas. Je vois un truc qui s'est déplacé, donc des fois j'ai des doutes. Donc là j'ai placé vraiment les caméras à des endroits où mon chien a l'habitude d'aller. Voilà pour la petite précision, c'est parti. Donc là voilà, il est posé, il adore vraiment être ici, hein. Il adore être là. Enfin, il passe beaucoup de temps ici parce que tout simplement il a une vue sur tout le jardin. Ah mais voilà, parfaitement. Là vous pouvez voir ceux qui regardent. Vous voyez tout au fond là-bas c'est le grillage et il peut voir en fait si la voiture arrive. Donc dès que j'arrive, il sait que je suis là. Donc là vraiment c'est la meilleure vue possible pour attendre tout simplement mon retour. Ah il a entendu quelque chose là, il a entendu quelque chose. Ok on passe à la cuisine. Bon là il va grailler. J'avais mis une GoPro dans ses croquettes les gars. Elle graille pas la GoPro Chino hein. Graille pas la GoPro Chino. Voilà il est en train de manger tranquillement. Pour l'instant il fait pas de bêtises, il fait sa vie hein. Il m'attend, il mange. Pour l'instant c'est un bon chien là, il est tranquille là. Elle mange pas la GoPro s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Ok, il a fini de graille. Ok, il se barre. Ah là, les gars, j'ai placé une caméra dans les escaliers. Parce que le chien, Chino, n'a pas le droit de monter dans les escaliers. Vraiment, il n'a pas le droit. Non, là, il est pas chez dans la cuisine, ça va pour l'instant. C'est un truc, il n'a pas le droit du tout. Ah, il a entendu quelque chose en haut. Je sais que, j'en suis sûr, quand je pars, je sais que tu montes en haut. Voilà, c'est bon. Repars au salon. Non,
Non. Je parle en direct comme s'il m'entendait. Et il a entendu quelque chose en haut, là. Il est intrigué. Hein. Ah, c'est bon, il repart dans le salon. C'est bien, Chino. Non. S'il te plaît, reste stylé. Voilà, merci. C'est le meilleur, mon chien, c'est le meilleur, les gars. C'est le best, mon chien. Oh, j'ai parlé trop vite. Voilà, j'en étais sûr. Il est monté, regardez, on voit ses fesses, là. Et voilà, il monte au premier étage. J'en étais sûr. Oh là là. C'est pour ça que j'ai placé des caméras ici, hein. Je suis pas bête, hein. Regardez-le. Où est-ce qu'il va aller? Va pas dans ma chambre. Et il va dans ma chambre. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais regardez-moi sa petite tête là. Vous inquiétez pas, si ma chambre, il n'y a pas de meubles, c'est normal. Je l'ai pas du tout encore meublé. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais t'es pas sérieux. Il n'est pas censé être là. Ça me fait bizarre de le voir là. Tu n'es pas censé être là. Tu n'as pas le droit. Mais il est sérieux celui-là. Il se dirige vers la salle de bain. Il se dirige vers la salle de bain parentale. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est super intéressant, les gars. Vraiment, je kiffe cette vidéo. Là, c'est la salle de bain. Et il est là, regardez. Mais il remarque directement les caméras. Putain, mais il se promène en fait. Il est ressorti. Il fait sa vie en fait. Quand je suis pas là, il fait sa vie le chien quoi. Il va dans ma chambre, il va dans la salle de bain, il va dans mon bureau. Il est dans mon bureau. Mais bravo. Des fois, je reviens, les câbles sont en bordel. Mais bravo, Chino. C'est bien, je comprends mieux maintenant. Je sais pas quoi penser. Bon, en fait, je m'y attendais un peu. Je sais que parfois, mon chien monte à l'étage. Même des fois, même quand je dors, il monte. Je l'entends, j'entends ses pattes. Vous voyez, parce que des fois, il fait un peu des rondes. Il fait un peu le chien de garde. Mais ça va, je suis pas trop choqué. Vous voyez, il est pas monté sur le lit, il est pas monté sur le canapé. Il a pas foutu de bordel. Ça reste vraiment un... Il circule, en fait. Voilà, il circule tranquillement dans la maison. Il fait sa petite ronde. Il regarde ce qui se passe. Ça va. Sincèrement, Chino, tranquille. T'as pas le droit de monter à l'étage, mais tu fous pas le bordel. Voilà, tu circules, tu redescends, tu fais ta petite vie. Je te comprends. Bon, allez, on passe à la suite. Les amis, là, on passe à l'expérience ultime. Vous savez, moi et mon chien, on a une complicité. Vraiment, je vais vous montrer. En fait, tant que je lui dis pas de manger quelque chose, il va pas le manger. Je lui ai appris à faire ça. Donc là, on va tester ses limites. Vous allez comprendre. Chino, assis. Tant que je lui dis pas de le manger, il va pas le manger. Tout simplement. Je peux le mettre là. Vous voyez, il ignore, hein. Parce que je lui ai appris en fait à ne pas manger tant que je lui dis pas de manger. Et là les amis, on va passer à un truc de malade. Je vous explique, je lui ai préparé un repas de dingue. Regardez-moi ça. Voilà, donc ça les gars, je lui ai préparé un repas de dingue. Quand je vous dis dingue, pour lui ça c'est un truc de malade, hein. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans le salon. Je vais poser une table en plein milieu du salon. Je vais mettre l'assiette sur la table. Moi, je vais partir à l'étage, je vais mettre la caméra et on va voir. Et bien sûr, avant je vais lui dire non. Je vais lui dire non, Chino, tu manges pas ça. Et en fait, on va observer, si je suis pas là, est-ce qu'il m'écoute? Là est la question. C'est parti, on va mettre cette expérience en place. Ok, dernier réglage. C'est bon, tout est en place les amis. On peut commencer l'expérience. Comme vous voyez, juste ici, j'ai mis une petite table. Je vais chercher l'assiette. Voici le magnifique plat que je vais poser juste ici. Et je vais appeler Chino. Ok, tout est en place les amis. Il y a même une petite GoPro pour voir de plus près. Chino. Bon, Chino, tu vois ça? Tu vois ça? Non, tu manges pas, sens. Je peux sentir, vas-y, sens. Non, non, tu manges pas. Je sais que ça a l'air bon. Là, ça lui donne trop envie, les gars. Tu touches pas, d'accord? Tu touches pas, d'accord? Ça, non. Ok? Ok. Ça, non. Tu manges pas ça, d'accord? Bon, les amis, je le laisse. Je ferme la porte. Je fais comme si je monte à l'étage et on va voir ce qui se passe. Pas bouger. C'est incroyable. Il m'a écouté. Je suis choqué les gars, carrément il s'est couché. Il est resté à côté, je lui ai dit pas bouger, il est resté là. Mais t'es le meilleur toi. T'es le meilleur des chiens toi. Voilà, je l'ai mis en hauteur donc il n'a pas vraiment la vue sur ça. Là maintenant je vais le mettre par terre. Voilà, je vais mettre l'assiette par terre les gars. On va voir s'il écoute. Tu manges pas ça, d'accord? Non, tu touches pas, d'accord? Non. Ok, à tout à l'heure. Eh ben alors, tu crois que je t'ai pas vu? Viens ici, ici, viens là, 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 ici, ici. Eh ben alors,
Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Est-ce que vous avez vu comment il a sursauté quand j'ai ouvert la porte? Il savait qu'il était en train de faire une bêtise de ouf. Il n'a pas pu résister. Bon, en même temps, un plat de ouf comme ça, vraiment à sa portée, il pense que je suis parti, je le comprends. Je lui en veux pas trop. Mais tu me déçois un peu quand même, hein, Chino. Hein. Tu me déçois un peu. Hein. Ah là 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 là. Bah oui. Je pensais que t'étais fort. Je pensais que t'étais un chien fort. Hé, hey, oh oh, regarde pas ça. Arrête de regarder ça. Je te faisais confiance, mon chien. Je te faisais super confiance. Fais le chien triste, vas-y. Bah oui, bah t'es triste, toi. Bah oui, tu manges jamais, toi, hein. Manipulateur professionnel. Les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, en tout cas, c'était une vidéo où j'ai pris vraiment plaisir à la tourner. Je la mets dans mon top 3 des vidéos que j'ai plus pris plaisir à tourner. C'était vraiment très marrant. Et surtout, j'étais curieux de voir le résultat et de savoir ce que faisait mon chien chez moi, quoi. Donc voilà, je suis vraiment content de cette vidéo. Merci encore à tous. N'oubliez pas le like, super important, et de mettre le code COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. Je compte sur vous, les amis. C'était Coco. À très bientôt.